Ma Mission TV, le miroir du monde. Batou ebele bakanisaki ke boye ya Pape François na République démocratique du Congo. Togo retrouvé pe moro total et puis ma kambunyoso et robongwana. Nzongande mawana mawa ndenge toza koloba boye. Kita kitamoko eza na ville ya Goma. Depuis tongo ville ezali paralysée parce que population ebimi na banzela pour na manifester mécontentement na bango contre ba force régionale ya EAC depuis baya na mboka na biso mission na bango e ban raté gouvernement congolais le baka que ba eli mission moko offensif bango moko pe ba le kaka pour na goloba le contraire ya oyo gouvernement et le baka donc confusion sur confusion depuis régime oyo e bandai musala alors que ba congolais baza ko continuer kaka ko kufa territoire ya Rutshuru toujours occupé na ba M23, cessez le feu ba lobarati lelo, solution ya malongate, koutu population et komaka koze la plan B ya EAC après ultimatum ya 48 heures ba pesara na ba M23, kasiti lelo, plan B et kangama na yango na embouteillage dans Zela ya Nairobi. Yango population bango moko ba telemi po na koloba na ba force régionale ba zonga chez bango biso moko tous après à Kobundana Monguna, Mbongo ya Congo oyo déjà balié et Koki. Moko bomo ndenge ba gomatracien très fâché bango tout même moral ba tumbi ba piné kaka ne bozali komona ba tie mabanga ba kangi kutu ba route nyoso ya Goma pas de sortie pas d'entrée lelo misala isale mité mututu na ndaku ba oyope ba monaki fo ba bimana nzela bango tout ba bimi po na koloba no na théâtre de chez nous ya EAC. Soit exemple à Oyo pour Nakola Kisamonguna que Toza déjà uni et puis Toza Liko continue à combattre la intégrité nationale. Nyon sa oe bomoni et salemi parce que Bakoka ki na bango ko supporte vidéo te Nenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Nenge abanda ki ko interpelle commanda yaba force régionale. Passion. C'est très dommage que la population s'entraîne un peu. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ce soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Pour la population, il y a Goma, Balobi, jamais chef de l'État, a coqué copé sa force régionale toujours biberon. Tiwapi, pour présence na bango na est ya République démocratique du Congo, ezalango sans but. Donc, bazali batu ya ko bengana et non ya ko bondela. Voilà. En tout cas, ma kambou ya boye, et la qui s'en a ma politicien a biso que, bah, j'ai mboka ma be pendant 5 ans ou ba sali, soki ba zali kokanisa que, pa ko continue koko sa population na ba 5000 francs, na ba t-shirt, ba e baka que, ba sambo na bango, parce que population congolais,
déjà ba fungoli misu bazo ko kalisusu ko supporter buzo baté donc ba pesika ka rendez-vous na ba urne le 20 décembre 2022 au izali kuya ah Congo mon pays boinde penza izali ko senga biso tout tous la yini pona ko telemela pe ko bundisa monguna wandande tokolonga soki to zeli mupaya abundela biso to continue kaka kozala na mawa toko banda kaka kolela la communauté internationale na Union européenne alors que bazali na solution ya ko pesa biso te. La question de l'insécurité dans la partie est de notre pays traduit de manière claire l'incapacité de M. Tshisekedi à imposer la paix, la sécurité, voire même l'ordre et la discipline dans ces pays. J'ai vu malheureusement, quand le M23 a pris Bunagana, donc quand le feuilleton M23 commençait, les manipulateurs de ces pouvoirs montaient des messages dans des laboratoires, des services, pour dire voilà, il faut être patriote, le pays est agressé, allons faire ceci contre le Rwanda, faisons cela contre le Rwanda. J'ai vu même de jeunes gens marcher contre, faire un sit-in devant l'ambassade du Rwanda, et beaucoup se sont posé des questions. Mais pourquoi l'honorable Kabund n'a même pas fait un tweet? Il n'en a pas même évoqué. Je n'ai pas parlé, parce que je considère que ce qui se passe, on est en train de manipuler l'opinion et le peuple. Lorsque M. Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État, voilà que nous sommes en train d'assister des choses auxquelles lui pense que c'est de la blague. L'État, ce n'est pas la 10e rue. L'État, c'est l'État. Il a ses mécanismes et ses moyens de fonctionnement qui requièrent de l'intelligence, de l'anticipation, de la sagesse dans les chefs de celui qui l'engage. Comment voulez-vous que la partie Est soit sécurisée dès lors que nous n'avons pas une politique claire en matière de défense et de sécurité? Dès lors que nous n'avons pas le régime Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui n'a investi rien ni dans l'armée ni dans la police. Donc aujourd'hui, le peuple congolais, plus particulièrement dans la partie Est, est sacrifié du fait que Félix Tshisekedi n'est pas en mesure d'imposer la paix dans cette contrée. On voudrait dire que le Rwanda agresse le Congo à travers le M23. C'est bon bien. C'est bon bien parce que la scène internationale, elle est ce qu'elle est. Ne pensez pas que nos voisins, tels qu'ils nous entourent là, ce sont nos amis. Ils sont en même temps amis, ils sont en même temps ennemis. C'est ça les relations internationales. Alors, on a 9 voisins, on a 9 amis et 9 ennemis en même temps. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda, mais demain, ça peut être Brazzaville. Pour mine de rien, il y a une histoire et il nous déclare la guerre. Demain, ça pourrait être l'Angola. Pour un petit accrochage, l'Angola se décide. Il nous déclare la guerre. Que sera le Congo? Que sera son peuple? Si nous sommes en train aujourd'hui de nous lamenter parce qu'un groupe armé, soutenu par le Rwanda soit-il, est en train de semer désolation dans toute la partie est du pays. Mais si alors demain, un État nous déclarait la guerre? Ou encore, je voudrais aller plus loin, si c'est le Rwanda lui-même qui se décide alors de dire, voilà, je ne vous fais pas la guerre à couvert, je vous déclare la guerre. Donc nous allons fuir ce pays, n'est-ce pas? Nous allons donc fuir ce pays? Nous irons faire nos marches de soutien au FRDC en dehors de ces pays. Moi, je pense qu'au lieu de faire des marches de soutien au FRDC, nos FRDC n'ont pas besoin de soutien des civils. Surtout pas dans les réseaux sociaux, à travers des tweets, à travers de messages. C'est une aliénation de tout un peuple. En lieu et place de faire des marches de soutien au FRDC, en lieu et place de marcher contre l'ambassade du Rwanda, je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et son gouvernement pour exiger des actions plus concrètes afin de sécuriser la partie Est. A contrario, on voit un chef de l'État qui pense que le pays va bien. À le voir comme ça, vous ne sentez pas que ce monsieur a un pays qui a un problème? Surtout qu'il ne se permet pas de passer de bons week-ends. Chaque week-end, c'est la coule douce. Avec une situation pareille, il ne faudrait pas aller chercher les diables ailleurs. Le diable se trouve chez nous. Je dois vous dire que ce pays
au fait, vit la théorie de l'éléphant dans la pièce. Vous savez, la théorie de l'éléphant dans la pièce, c'est que nous sommes en train de penser que la faute, c'est l'autre. Alors, le vrai problème est dans la maison. On ne fera aucun ménage, on n'arrangera rien aussi longtemps que l'éléphant est dans la pièce. Ma Mission TV, le miroir du monde.